Le directeur du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme a démissionné en raison de ce qu'il qualifie de génocide des civils palestiniens à Gaza sous les bombardements israéliens. Selon le quotidien The Guardian, Craig Mokiber a déclaré que les Nations Unies manquaient à leur devoir de protéger les civils palestiniens. Il a accusé les États-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie de l'Europe d'être complices de ce qu'il a qualifié d'horrible assaut et de massacre en masse du peuple palestinien. Monsieur Mokhiber a rejoint les Nations Unies en 1992. Il a coordonné les travaux du Haut Commissariat sur une approche de développement basée sur les droits de l'homme. Il a également été conseiller principal en matière de droits de l'homme en Palestine, en Afghanistan et au Soudan.